Alors si vous voulez en savoir plus sur le destrier de Don Balthazar, le qui est Don Balthazar, on va commencer un petit spectacle là-bas tout au fond. Juste là-bas. Donc on vous... Oh, entraîne-toi tous les jours pour être fort comme un... Cheval. Non, ça c'est... Au début c'est chêne. Alors pour vous aider, comme ça c'est chêne. Hein. Entraîne... Alors je ne sais plus du coup. Entraîne-toi tous les jours pour être fort comme un... Chêne. Va monter à cheval, n'aie pas peur des... Bâtards. Suis l'exemple des aînés. Donc les aînés, c'est les grands. Suis l'exemple des aînés pour devenir un chevalier. Et un redoublé. Oui, monsieur le chevalier, je suis là. Oh, mais où est-ce qu'il va comme ça? Oui, monsieur. Mais chut, il dort. Oh, vous avez vu un âne qui parle? Un âne? Mais je ne suis pas un âne, je suis un destrier. Oh, un destrier, toi? Mais chut, il dort. Et non? Il faut que je me suis trompé, je vais sur mes pinceaux là. Il colle les plumes. Assez fort, poivré. La menthe poivrée qu'on y a. Non, c'est de la menthe. Ça oublie après, ça sent. Pour fournir le monde beaucoup plus. Ça va encore très vite à faire. Après, on a des pointes qui sont. Il faut différents poivres. Oui, bah oui. Des pointes à barre de l'eau. Oui. Comme ça. Mais c'est sûr. Ça c'est. Et avec les deux projets, on allait chercher directement la forme. Et donc c'était beaucoup plus rapide. Comme ça c'est fini, vous pouvez plus tirer à l'arc. Vous pouvez plus tirer là. Pendant les grandes batailles Crécy et Azincourt, la chevalerie française s'est fait marquer. Il leur coupait les deux doigts quand il les attrapait. Il les tue pas, mais il leur coupait les deux doigts. Il a été plus bon pour le service.